Allô, Jackson, c'est Peter. Tu savais qu'un livre sur Ed Asner était sorti dernièrement? Oui, Peter, j'ai entendu cette nouvelle, mais je dois téléphoner à Jack qui doit me donner plus de détails. Allô, Jack, c'est Jackson à l'appareil. Tu devais me donner des détails concernant le livre qui est sorti récemment sur Ed Asner. Peux-tu m'en parler? Oui, Jackson, j'ai appris qu'il s'agit d'une filmographie réalisée par un mordu de cinéma. Je vais contacter Harry qui est toujours au courant des sorties d'ouvrages de ce genre-là. Allô Harry? Jacques au bout du fil. Toi qui es au courant des dernières publications, tu dois savoir de quoi se compose la filmographie d'Ed Asner qui vient d'être publiée. Tu sais quelque chose? Oui Jacques, il s'agit de sa filmographie illustrée. Toute sa carrière qui s'étale de la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui a été répertoriée et mise en photo. Je dois appeler Smith pour connaître le nom du type qui a fait tout ce boulot. Allô Smith, c'est Harry. Je t'appelle au sujet du livre sur Ed Asner dont on parlait hier. As-tu appris le nom de l'auteur? Oui, Harry. Il s'appelle Christophe Morin. Il fait ce travail lors de ses loisirs. Il aime le cinéma et les acteurs. Il veut simplement mettre leur travail en lumière en créant ses ouvrages. Je t'ai contacté Karl qui en a un en sa possession, justement. Allô, Karl? Smith en ligne. Tu m'as dit que tu avais acheté la filmographie d'Ed Asner. Peux-tu m'en parler avec des détails, s'il te plaît? Oui, Smith, je l'ai justement sous les yeux. Eh bien, c'est un très bel ouvrage. On se rend compte que Christophe Morin aime le cinéma en créant ce genre de livre. C'est vraiment du travail bien fait. Toute la carrière d'Ed Asner y est détaillée de manière chronologique. J'ai Sam qui m'appelle sur une autre ligne. Allô, Sam? Qu'est-ce qui me vaut ton appel, mon ami? Je t'écoute. Rien de spécial, Karl. Je voulais juste apporter des précisions sur le bouquin. Ça commence à faire du bruit dans le show business, hein. Tout le monde en parle. Il faut dire que l'objet final est remarquable à consulter. Il faut vraiment aimer les artistes pour faire ça. Je dois appeler Freddy qui souhaite m'en dire ce qu'il en pense. Je te laisse, Karl. Bye. Allô, Freddy? Tu voulais témoigner sur la filmographie de Lassner? Oui, Sam. Je tenais à te dire que je suis vraiment bluffé par tout ce travail réalisé. Je pense que les fans des Lassner seront enchantés de posséder ce bouquin, car il est complet. J'avais encore jamais vu ça. C'est très pointu et poussé. Je pense que ça deviendra un livre référence dans le futur. J'appelle Rick qui veut en parler aussi. Allô Rick, c'est Freddy. Tu voulais parler du livre sur Ed Asner? Je t'écoute. Oui Freddy, mais je voulais juste préciser que c'est un format 21-29-7 et qu'il fait 180 pages. C'est un beau cadeau à offrir à quelqu'un qui aime le cinéma. Je te passe le professeur Buck qui veut dire quelque chose. Merci Rick. Je voulais juste terminer notre entretien en déclarant qu'Ed Asner aurait été très fier et flatté par cet ouvrage qui lui rend hommage.